Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tour de magie. Pour ce tour, j'aurai besoin d'un jeu de 54 cartes. Tout d'abord, je vous prouve que mon paquet n'est absolument pas truqué. C'est un jeu de 54 cartes tout à fait normal. Je vais maintenant prendre les 4 premières cartes du jeu. Je peux vous prouver qu'il y en a bien 4. 1, 2, 3 et 4. Ce sont les 4 As. Si je prends ces 4 As et que je les secoue comme ça, on peut voir que l'As de carreau s'est retourné pour laisser place aux 3 autres As. Si je resecoue un peu le paquet comme ça, l'As de carreau revient, mais l'As de pique se retourne. Et là, comme la carte est retournée, regardez bien, l'As de pique revient et c'est l'As de trèfle qui s'est effacé. Mais si je secoue encore une fois, les 4 As reviennent et le tour est terminé. Comment ai-je fait ? Tout de suite, les explications. Pour réaliser ce tour, eh bien c'est très simple. Il vous faudra un jeu de 54 cartes. Tout d'abord, vous devrez prendre les 4 As et les placer sur le dessus du paquet. Et la cinquième carte, vous devrez la retourner. Moi, c'est le 3 de pique. Vous retournez donc la cinquième carte et placez les 4 As par-dessus. Ensuite, vous pouvez prouver à votre spectateur que votre paquet est normal. Mais faites très attention, car si vous commencez par les 4 As, on pourrait voir la cinquième carte. Alors que si vous commencez tout de suite comme ceci, on ne voit pas la carte retourner. Une fois que vous avez prouvé à votre spectateur que votre paquet n'est pas truqué, le tour peut commencer. Vous dites que vous prenez les 4 premières cartes, mais en réalité, vous prenez les 5 premières cartes. Ensuite, vous lui montrez les cartes une par une, sans montrer la dernière. Donc 1, 2, 3, et là, faites très attention, car en réalité, il n'y a que 2 cartes. Et si vous lui montrez le dos, il pourrait voir que c'est le 3 de pique. Donc, vous lui présentez comme ceci. Ensuite, vous le placez par-dessus. Vous secouez un peu le paquet. Et là, une carte s'est retournée. Car en réalité, c'est le 3 de pique. Vous lui montrez que l'as de pique a disparu. Vous faites comme ça jusqu'à la fin. Et une fois que les 4 as sont apparus, le tour est terminé. Merci et à bientôt pour de prochains tours de magie.